Coucou, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je reviens dans une nouvelle vidéo pour crash tester la palette Catrice. Donc, la palette Catrice. Alors, on va aussi se tester le primer comme ceci et le blush, le bronzer. Alors, on va tout de suite commencer avec le primer. Donc moi d'habitude j'en mets pas parce que j'aime pas trop ça, parce que je trouve déjà que ça sert à rien pour ma part, hein. Donc là on va se le tester. Alors j'aime bien parce que, alors il se présente comme ça, vous avez plein de petites billes à l'intérieur. Donc franchement il est chouette. Déjà rien que le packaging il est beau, c'est un Disney comme ça. Et voilà, donc le primer il est censé nous aider à faire tenir le maquillage. Donc, c'est à double tranchant, soit ça va tout me faire bouger, soit ça sera bien, soit ça va m'aider. Alors il est comme ceci, je sais pas si vous allez voir quelque chose, c'est une texture un peu gel comme ça, et il y a des petites paillettes à l'intérieur, c'est assez rigolo. Donc je vais en appliquer un petit peu, hein. Je vais pas en mettre beaucoup, hein. Je vais attacher ça devant parce que sinon ce sera la catastrophe. Déjà que je viens juste de les laver, alors. Alors, qu'est-ce que ça nous fait? J'espère que j'aurai pas plein de boutons dans la figure. Déjà que j'en ai déjà comme ça. J'ai déjà appliqué la base à paupières. Cette fois-ci, j'ai changé, j'ai mis la base numéro 2. J'ai pas mis la base numéro 1, la blanche. Cette fois-ci, j'ai mis la 2. Je crois que c'est la 2. Je vais quand même regarder. Alors, qu'est-ce que ça fait? Fait rien de spécial. Il n'y a pas d'odeur puante, donc ça aussi, c'est bien. Ça colle pas. Je sais pas. Ça fait rien. Pour l'instant, ça fait rien du tout. J'ai aussi une huile que je peux tester de chez Essence, celle-ci que j'avais achetée. Donc, on va aussi la tester. C'est Essence Hydra Booster, une huile. On va voir ce que ça donne. C'est une huile un peu turquoise comme ça. Pour l'hydrater. Moi, j'ai souvent les lèvres très très sèches. Donc, écoutez, pour l'instant, je ne vais pas pouvoir donner d'avis, mais ça fait du bien. Ça. Mes lèvres sont un peu plus hydratées. Mes lèvres sont un peu plus hydratées. Ensuite, alors la base, j'avais dit que je vous dirais ce que c'est. Alors, la base à paupières, c'est la numéro 2. C'est pas la numéro 1. C'est la 2 qui est comme ça. Donc elle est un peu beige. Et on va commencer le make-up. Donc j'ai mis des washi tape. J'ai mis des washi tape. Et voilà, parce que je vais faire une forme. Je pense que je vais utiliser du foncé sur le haut. Et sur le bas, on va repartir avec une seule couleur de nouveau. Donc vous avez vu les mascaras aussi en action, hein, dans la palette. Dans la palette, la première palette que j'ai testée, celle-ci, c'était magnifique. Et vous avez vu le mascara lila. Et j'ai essayé les deux mascaras Révolution, le bleu et le rose, sur la palette de chez Action. C'était la Brasil. Vous les avez vus en action. Donc voilà. Alors là, on va prendre la palette qui est très jolie. Donc elle se présente comme ceci. Et on a 18 fards à paupières à l'intérieur. Franchement, c'est une jolie collection. Maintenant, on va voir ce que ça donne. J'aime bien, c'est beau. Je vais enlever le plastique qu'il y a déjà dessus. Comme ça, on pourra un petit peu mieux voir les fards. Alors, je ne sais toujours pas à quoi il sert le fard bizarroïde là. J'ai pas trouvé à quoi ça servait. J'ai regardé, mais ils ne le disent pas. Je sais pas si c'est une base. Je sais pas si. Je sais pas du tout ce que c'est. Alors, on a notre miroir ici. Qui est comme ça. Donc il est comme ça.
Il est très joli. Et là, on va avoir ces fards à paupières là. Voilà, donc on a ça comme fard à paupières. Alors, on a beaucoup de gris à l'intérieur, hein. Donc on a beaucoup de gris, on a les gris là. Ici, on a un brun. On a deux bruns ici sur le haut. Après, ici, on a du gris. Je vois le rouge là qui est vraiment pétant, qui ressort vraiment. Il y a le gris ici. Il y a deux ici, ces deux-là. Et après, on n'est que sur des gris. Voilà, des gris et de clair ici. Alors, écoutez, moi, ce qui me frappe quand je prends la palette, hein, ce qui me frappe, hein, non, la palette ne me frappe pas, mais les couleurs que je vois, c'est le rouge ici, le gris là. Donc, on va se tracer n'importe quoi, je dis des conneries. On va prendre le rouge et le gris déjà pour commencer. Donc, le gris, il faut que j'arrête de faire comme ça. Donc, le gris là, ici. Donc le gris ici et le rouge, on va le refaire revenir devant. Et on va partir sur un gris ici, je pense, sur le bas. Un gris clair. C'est parti, on va commencer tout de suite. On va tout de suite commencer. Désolée si je prends une voix à la con. Je ne sais pas pourquoi à chaque fois je parle comme ça. Je vais commencer avec le rouge. Je pense que je vais venir déjà avec le rouge ici, donc je vais prendre un pinceau un peu fin, comme la dernière fois. On va prendre un pinceau fin, hop. Je vais prendre un pinceau comme ça que j'avais acheté à Noz. Je remets un petit peu parce que je l'ai lavé avec du savon, puis je sais pas, il est bizarre. Il est un petit peu tout collé. Donc je vais prendre le rouge. Alors on a des dessins dans les fards, hein. C'est sûrement les cheveux qu'elle a, je sais pas exactement, la tête avec les cheveux. Là, j'ai pas pris de base blanche. Hein. Donc là, ça s'est foiré, c'est foiré. Hein. Il y a toujours cette base. Il faut vraiment bien bien l'étaler, quoi, c'est chiant. Bon, ça fait des traits. Alors, je vais partir ici. Donc j'ai pas mis de fard beige ni rien du tout. Hein. Je vais venir à peu près jusque-là. Voilà, et je vais prendre je vais prendre un autre pinceau et je vais prendre le gris que je vous avais montré, le gris le plus foncé. Alors, est-ce qu'il est vraiment gris? Et je vais venir ici avec. Et là, je trace ma forme. Maintenant, on va travailler un petit peu les fards ensemble. Donc, je vais prendre un pinceau boule comme ça que j'avais aussi eu à Noz. Je prends du rouge et on va venir un petit peu rajouter de la matière et surtout un petit peu la travailler. Et je vais prendre un autre pinceau boule, pareil que j'ai acheté à Action. Et on va prendre à Noz, pardon. Des fois, je me trompe entre Noz et Action. Hein. J'ai déjà remarqué. Et j'ai rien là-dessus. C'est chelou. Et on va venir avec le gris aussi ici. Donc là, je vais venir avec le rouge et je vais repasser un petit peu sur le gris. Et vous voyez, j'ai tiré vraiment ma forme. Vous avez vu, plus on va les travailler ensemble, plus le rouge va commencer à s'effacer. Donc le rouge, il s'efface en fait. Donc faut pas, ça me gratte. Faut pas trop trop les travailler, hein. Ça me gratte l'œil à cause du papier. Je vais prendre ma petite épongette parce que je vais effacer un peu le gris que j'ai mis dessus. Je vais prendre ma petite truc comme ça là et je vais enlever un petit peu le gris que j'ai mis dessus parce que je veux vraiment que le rouge, pas du gris. Je vais repasser sur le rouge hein, du coup.
J'ai voulu les travailler ensemble, mais ça n'a pas l'air de trop vouloir, hein. Je vais laisser ça comme ça. Repasser quand même un petit peu de rouge. Voilà. C'est face un peu, hein. Je vais nettoyer ma paupière. Je vais nettoyer la paupière quand même. C'est con parce que le rouge, il fait vraiment barre, quoi. Je vais nettoyer la paupière quand même. Et je prends donc toujours la même base, hein, la base numéro 2. Je vais venir nettoyer la paupière et on va venir avec un autre fard. Celle-là, vous voyez, elle est beige. Elle n'est pas. Elle n'est pas blanche, la base à paupières. Alors moi le temps que ça sèche, parce que je vais pas venir tout de suite appliquer du fard, je vais attendre vraiment que ça sèche et je vous retrouve après pour moi le temps de commencer un petit peu l'autre œil. Et que pareil comme ça après ma base elle aura le temps de sécher. On se retrouve tout à l'heure. Alors voilà ce que ça me donne pour l'instant. Alors, on va utiliser un gris et on va utiliser un brun. Je pense qu'on va venir avec deux couleurs, donc du brun sur l'avant et le gris après. Alors, on va déjà commencer par le brun. Comme c'est un fard pailleté, je vais venir peut-être avec un pinceau un peu boule, comme ça, un pinceau un peu plat. Je pense que je vais prendre un pinceau plat. Je vais prendre celui-là. Alors, je vais prendre du brun. Qu'est-ce que je vais prendre comme brun? Est-ce qu'on a le choix? On en a 3-4 empailletés. Donc, je vais essayer le 99. Je vais peut-être venir le prendre au doigt. Ouais, je vais venir l'appliquer au doigt parce que là, on n'a que la paillette. Donc, je vais venir l'appliquer au doigt et ensuite, on viendra avec un pinceau. Ça a l'air plus d'être comme un genre d'highlighter. Je vais venir tout foirer là. Je vais venir tout foirer. Ça me convient pas des masses. Écoutez, je vais déjà essayer avec le gris ici. Je vais mettre le gris là. Parce que j'ai peur que c'est un peu merdouille. Donc je vais prendre le gris foncé, je pense. C'est plus comme un noir, lui. Je vais venir au doigt, parce que franchement. On obtient quelque chose après. Peut-être qu'il est un peu trop foncé. J'aurais dû prendre un peu plus clair pour délimiter entre les deux couleurs là. Bon, maintenant tant pis, hein, c'est fait. Mais et du coup, j'aime pas du tout le brun que j'ai posé là. Donc, on va essayer de le dégager. On va essayer de le virer celui-là. Alors, comment on va faire? On va essayer de pas trop. Alors là, vous voyez, j'aurais dû mettre une autre couleur. Hein, une couleur, j'aurais dû mettre un gris. Et si j'efface tout? Est-ce que ça marcherait? C'est un petit peu catastrophique, hein, ce make-up là. C'est un peu merdasse, hein, ce que je fais.
J'ai essayé de nettoyer un petit peu, je vais laisser sécher, après je reviendrai un peu avec du rouge et avec le gris. Pour l'instant, je laisse sécher. Alors, on va changer complètement la couleur, hein, parce qu'elle ne va pas utiliser ça, on va prendre un beaucoup plus clair. Parce que sinon, ça va faire trop foncé. Donc, si on prend celui-là, le spot, il est déjà un peu plus clair. Donc là, déjà, ça va mieux. Qu'est-ce qu'il donne celui-là? Voilà. Je veux quand même une démarcation entre les deux parce que sinon ça sert à rien. Ça m'embête parce que je vois pas bien dans l'axe ici. Je vois pas bien. Alors il me faut les sprays fixateurs. Alors je vais venir avec un spray fixateur comme ça. Un spray fixateur de chez un spray fixateur de chez Action. Et on va venir prélever la couleur. Et sur l'avant, on va prendre une autre couleur. On va prendre quoi? J'ai avec un petit pinceau comme ça, j'ai pas vraiment de choix. On va prendre quoi sur ce devant, à l'avant, à l'avant, à l'avant. On va prendre quoi? Donc le brun, elle m'avait pas plu, donc on va peut-être rester sur du gris. Je vais peut-être prendre le fashion du coup. C'est un peu un blanc. Ouh, mais on fait des trous, mon pinceau. Il m'a fait des tours, mon pinceau. Le gris, je vais le faire revenir encore un peu sur la paupière, là. Je vais revenir encore un petit peu. Alors voilà pour l'instant ce que ça me donne. Donc je vais aller chercher, je sais pas ce que j'ai avec ma voix. Je vais aller chercher un, je vais faire cet œil-là et j'allais prendre ce qu'il faut pour faire un liner, je pense rouge. Et je vous retrouve juste après. Bon, j'ai pris un liner à peu près rouge et j'ai tracé un trait de liner. Seulement ça me plaît pas, donc je pense que je vais remettre du noir. Mais je vais quand même faire pareil de l'autre côté avec ma palette de chez Revolution. Je vous la montrerai après, mais je n'aime pas le rendu. Donc je pense que je vais venir mettre du noir. Je ne sais pas trop encore. Bon, je vais laisser sécher et je viendrai poser du noir. Alors, j'ai repassé du noir là. Je repasserai après du rouge. Je repasserai après un petit trait de rouge ici. Et là, on va faire cet œil-là. Alors, voilà où j'en suis. Donc j'ai un petit peu blanchi mon teint, un petit peu trop.
avec la poudre et tout ça. Mais bon, on va venir redonner un petit peu de couleur avec le fard. Donc c'est quoi? C'est un blush ou qu'est-ce qu'il nous dit? C'est un maxi blush. Ursula, ça c'est la collection Essence. Donc je vais enlever le petit plastique, comme ça vous allez pouvoir voir. Donc il est comme ça. Voilà, il est super joli. On a la fourche du père de Ariel dedans. La dernière fois, j'ai dit un truc, je ne sais plus ce que j'ai dit, je crois que j'ai dit trident ou triton, ou je ne sais plus quoi ce que j'avais dit comme connerie. Alors, on va voir ce qu'il donne. C'est un petit peu dommage de passer dedans parce que ça vous fait casser un petit peu les dessins qu'il y a. Alors, il n'est pas très très, il est pas très très fort, quoi. Ça reste léger. Là, j'en remets un petit peu, donc là, on le voit un petit peu plus. Comme j'avais quand même pas mal blanchi mon teint, il faut quand même que je remette un petit peu de couleur. Donc, je fais vraiment le tour parce que je pense qu'au milieu, ça doit être un petit peu d'highlighter. Donc, moi, je veux vraiment que le brun. Je vais en remettre encore un peu. Non, mais il est pas mal, hein. Il donne une petite touche de couleur. Je vais en mettre un peu là-haut pour redonner un petit peu de couleur. Je vais en mettre un petit peu là, juste en dessous. Je vais en mettre un petit peu sur mon nez. Léger, léger, juste pour redonner un petit peu de couleur. Et là maintenant, je vais venir avec un gros pinceau et je vais venir un petit peu floutasse. Donc je vais venir un petit peu flouter. Je vais venir un petit peu étirer tout ça. Alors, je vais tester le rouge à lèvres de chez Kiko que j'ai eu à Noz, que j'avais pas encore testé. Donc, on va tester celui-là. Et c'est un tout gris. Il est tout gris, il sent bon. Il sent bon. Donc, allez, c'est parti. On va le tester, voir ce qu'il donne. Voilà, c'est rigolo, hein? Il est super crémeux. J'ai retouché un peu avec un crayon et je vous retrouve après. Alors voilà ce que ça donne pour le résultat final. Donc vous voyez un petit peu plus blanc que ce que je suis parce que je ne suis pas aussi blanche. Hein. Vous voyez un petit peu plus blanc que ça. Alors on va commencer par... Qu'est-ce qu'on a commencé? On va commencer par le teint. Alors pour le teint, j'ai utilisé déjà, comme d'habitude, la palette Catrice, le orange pour cacher les cernes. Et le vert, c'était pas de cette palette, c'était celui-là. Et le vert comme ça pour mettre sur ma zone de boutons. Donc ma zone où j'ai plein de boutons. J'ai pris ce concealer-là, donc cet anti-cerne-là, pour mettre sur les cernes parce que le mien il est vide, le Catrice. Donc voilà, le Catrice est terminé. Et donc je prends le Essence. Alors le Essence, il est un petit peu trop blanc. Il est un petit peu trop blanc ici, mais sinon, écoutez, ouais, il est bien aussi, mais c'est vrai que j'ai une préférence pour le Catrice, mais mon Catrice est vide et il faut que je m'en rachète. Donc, on finit le essence. Ensuite, j'ai le nez qui coule, c'est super. On va commencer les mouchages. Alors, ensuite, donc pour le teint, je vous ai dit. Alors, pour le teint, non, je vous ai pas dit. Donc, j'ai utilisé ce fond de teint là de chez Max & More, donc en numéro 122. Le fond de teint de chez Action, moi, je l'aime bien. Et je trouve que pour couvrir un petit peu tout ce que j'ai en boutons et tout ça, parce que j'ai beaucoup de boutons à cause de mon traitement, et bien écoutez, il couvre quand même. Et puis, je commence à avoir des petites taches là. Voilà, là, ici, des petites taches jaunes, brun, ça, c'est bizarre comme taches.
Donc voilà, ça couvre quand même un petit peu. Alors la tache, elle n'est pas couverte à 100%, mais j'ai pas mis d'anti-cerne dessus, j'ai laissé comme ça. Mais j'ai aussi pas mal de grains de beauté, vous voyez, on les voit encore un petit peu, mais tout ce que j'avais en bouton et tout, on ne voit presque plus. À part celui-là, qui est un petit peu gros là. Voilà, sinon, c'est quand même couvert. On a quand même une bonne couvrance avec ce fond de teint. Ensuite, j'ai mis ma poudre Siskin. Alors, celle-ci, je l'adore et en plus, elle sent bon. Donc, franchement, je l'adore pour couvrir aussi au niveau de mon teint. Ensuite, en poudre fixatrice, j'ai utilisé celle-ci à la mangue. Elle sent super bon. Enfin, une poudre qui sent vraiment ce que ça sent. Donc, franchement, elle sent bon la papaye et la mangue. Franchement, ça sent super bon. Franchement, top. Ensuite, en blush, j'ai utilisé ce blush-là de chez Essence. Donc, vilain, les vilains, c'est Ursula. Alors, on a le miroir ici et on a le blush là avec de l'highlighter ici. Donc, voilà, le blush ici qui me donne cette couleur-là que vous avez vue. Alors, écoutez, moi je trouve que ça redonne un peu de couleur, donc ça fait du bien et je trouve qu'il est très joli. Donc, je valide ce blush. Ensuite, on va parler de la palette. Donc, j'ai utilisé ma poudre. Non, ma poudre. Ensuite, j'ai utilisé ma base à paupières de chez Botibé. Voilà, en teinte numéro 2. Bah, écoutez, finalement, elle fonctionne bien aussi quand même, hein. Et puis, je suis venue travailler avec cette palette-là. Donc, c'est Cruella de chez Catrice. Elle est trop belle. Et on a beaucoup de gris, hein. On a beaucoup beaucoup de gris dans cette palette, on a la majorité de gris. Donc au-dessus, je suis venue travailler avec ce rouge là que j'ai mis là dans le coin. Le gris, j'ai pris le gris foncé là. Alors vous avez vu que j'avais essayé celui-là pour mettre en dessous, mais il était beaucoup trop foncé. Donc j'ai changé et j'ai mis juste celui qui est au-dessus. Celui-là, le spot que j'ai mis là ici en dessous. Et devant là, je suis revenue avec celui-là, le fashion. Celui-là ici. Voilà, donc j'ai utilisé ces fards-là. Donc écoutez, pour l'instant je la valide. Maintenant je referai d'autres make-up, hein. Je vais pas juste faire ce make-up-là, mais j'en referai d'autres. Mais je me mettrai juste sur Facebook ou sur Instagram ou sur TikTok. Donc voilà, parce que bon, alors je ferai un mix à la. Quand j'aurai fait plusieurs make-up, je les mettrai tous ensemble et je ferai un montage juste des photos. Parce que voilà, je sais pas si ça peut intéresser quelqu'un. Ensuite, pour le liner, j'ai mis le liner noir de chez Révolution, celui-ci, et je suis repassée avec ma palette qui est toute pleine de poudre. Attendez que je la nettoie un petit peu. Avec ma palette là de chez Révolution aussi, c'est Creator Révolution, et j'ai pris celui-là pour mettre dessus. Donc il fait un peu, ouais, il fait un peu rose rouge comme ça. Ça, j'ai repassé 2-3 fois parce que j'avais beaucoup débordé. Et le noir, il avait fait un petit peu de cochon parce que ça revenait un petit peu avec le rouge et du coup ça bavait sur le rouge, c'était moche. Et puis ça m'a craquelé un petit peu devant, du coup, comme je suis repassée beaucoup. Mais sinon, moi j'aime bien l'effet liner rouge. Tiens, là vous le voyez là, que ça a un petit peu craquelé. Donc j'aime bien cet effet de rouge et de noir ensemble. Je trouve que ça fait joli, ça fait pas un liner trop dégoûtant, ça va. Ensuite, pour le crayon, je suis venue avec un crayon noir de chez Action pour mettre dans la muqueuse du haut et dans la muqueuse du bas. J'ai mis un gris, mais le gris, ben, du coup, il fait plus noir parce que quand avec l'œil, je sais pas, ça descend, le noir descend sur le gris, donc c'est plus du noir. Et j'ai pris le rouge de chez Action. J'ai pris ce rouge-là parce que celui-là, il était trop clair. Du coup, j'ai pris celui-là de chez Action pour avoir une petite teinte de rouge à l'intérieur de l'œil. Pour le mascara, j'ai utilisé le primer. Alors, attendez que je le retrouve. Le primer comme ça de chez Essence que j'adore parce qu'il me donne vraiment du volume au niveau des cils. Donc vraiment, moi, pour moi, ça me convient. Et je suis venue avec deux mascaras. Donc celui-ci qui est vraiment très très fin et qui vraiment qui me met bien du mascara partout sur tous mes cils et qui me les recourbe un tout petit peu. C'est le Lash Princess, celui-ci, j'aime beaucoup. Et je suis repassée un petit peu avec celui-là de chez Essence. Voilà. En rouge à lèvres, j'ai utilisé. Alors en rouge à lèvres, j'ai utilisé, je vais vous montrer celui de chez Kiko.
J'ai utilisé celui-là de chez Kiko, là, en teinte grise. Et je suis revenue un tout petit peu parce que je voulais un petit. Il était vraiment assez crémeux. Voilà, je voulais un petit peu d'effet de brillance. Donc, je suis repassée avec le Marc Jacob, comme ça, que j'avais eu à Noz. Donc, les deux, je les ai eu à Noz, hein, celui-là et celui-là. Alors, le rouge à lèvres, je sais pas si ça va vraiment ensemble, mais voilà, j'avais envie de tester le gris comme j'avais pas encore testé le gris. Par contre, le rouge à lèvres, vous voyez, il a tendance à infiler dans tous mes plis là, de la peau. Donc voilà, écoutez, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne au niveau du make-up. Moi, je vous ai parlé de tous les produits que j'ai utilisés et j'ai utilisé la base des villas. Alors écoutez, pour l'instant, ça va, ça me fait pas bouger le fond de teint que j'ai en dessous. Maintenant, il faut voir sur plusieurs jours, sur plusieurs. Voilà, je peux pas me baser uniquement sur le peu de temps que je l'ai utilisé. Là, ça fait juste une fois. Il faut voir sur plusieurs temps que j'utilise, voir ce que ça donne. Peut-être avec d'autres fonds de teint. Voilà. À voir ce que ça donnera plus tard. Mais en tout cas, il n'y a pas d'effet de gêne, il n'y a pas d'effet de collant. Moi, je le sens pas sur la peau. Hein, donc, voilà, c'est un peu comme. Moi, tu vois, je ne l'ai même pas senti. Donc, peut-être un peu comme une crème ou quelque chose comme ça. Donc, voilà. J'ai pas, pour l'instant, j'ai pas d'avis dessus. Alors, je vais quand même vous montrer ce qui donne. Le make-up. Je vais vous montrer de plus près. Et voilà, donc écoutez, dites-moi ce que vous pensez de ce make-up là, si vous avez aimé ou si vous n'avez pas aimé. Et dites-moi aussi si vous avez un article de la collection Les Vilains, si vous avez peut-être pris cette palette ou la première que j'ai utilisée, ou si vous avez plus des blushs essence ou des palettes essence. Voilà, donc dites-moi ça dans les commentaires. Et du coup, moi, il me restera à tester la palette. La reine de cœur. La reine de cœur dans les teintes rouges. Et qu'est-ce qu'on a? On a du jaune aussi. On a un jaune. Bon, on fera peut-être un make-up noir, rouge et jaune, comme elle a sur sa robe. Voilà, on fera peut-être ça. Donc avec cette palette-là, on va peut-être faire ces couleurs-là. Le rouge, le... Est-ce qu'on a un rouge dedans? Non, on n'a pas de rouge. Bon, enfin, on verra ce qu'on fera avec la palette. Elle n'a pas de rouge alors qu'elle a sa robe en rouge. C'est très bizarre. Bon, on testera peut-être celui-là. Ça ressemble peut-être à un rouge pour eux. Donc, on se testera celle-là et le fard ici, le blush qu'on n'a pas utilisé de la collection Essence. L'huile à lèvres de chez Essence que j'ai utilisée, écoutez, moi je l'aime bien. Elle nourrit bien les lèvres. Donc pareil, à essayer sur plusieurs jours. Je ne peux pas vous dire ça comme ça. À essayer sur plusieurs temps, mais de ce que j'ai eu sur les lèvres, pour moi, ça me convient. Donc voilà, donc on se testera ça dans la prochaine vidéo. Avec de nouveau le primer. Donc voilà, moi j'ai terminé la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu et bah écoutez, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et on se retrouve très vite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye bye!